Aujourd'hui, on va regarder l'extension, en fait, la toute dernière extension de Legendary Midnight Suns. C'est une extension, dans, encore dans l'univers de Marvel, mais avec une thématique un peu plus horreur. Donc, c'est une petite extension hein, qui a 100 euh, cartes jouables, 5 héros, 2 mastermind et leur villain group, avec une feuille euh, de règles. Donc, je déballe ça et puis on regarde ça ensemble. Sur la feuille de règles, on trouve... Euh, euh, un résumé euh, des Marvel Knights, donc un peu présenter le, cette espèce de, de groupe là, de héros et justiciers. Ensuite, on a des nouveaux mots-clés. Il y a Blood Frenzy, Hunt for Victims, Hunt. Et puis de l'autre côté, on voit Moonlight et Sunlight. Euh, ici, on, on donne un peu des de directives. Comment manipuler le, le sunlight et moonlight, on va voir ça tantôt. Et puis, euh, un mot-clé qui fait son retour, c'est patrol. Donc, pour faire un petit aperçu rapide là, de, des différents nouveaux mots-clés, donc Blood Frenzy, ce que ça fait, c'est que quand un personnage a Blood Frenzy, c'est qu'il va avoir plus un d'attaque pour chaque différente valeur de victory points qu'il y a dans sa victory pile. Par exemple, si un. Je vais faire un petit exemple ici. Par exemple, si j'avais ces monstres-là, dans ma Victory page j'ai un 2, j'ai un 4, j'ai un 3, et j'ai un autre 4. Donc, comme j'ai deux valeurs qui sont euh, identiques, donc j'ai deux cartes avec des Victory Points de 4, euh, j'ai seulement trois cartes de différentes valeurs. Donc, le mot-clé mot euh, euh, Blood Frenzy va me donner plus 3 d'attaque. Hunt en victime, c'est surtout une. En fait, c'est un pouvoir des villains. Il va, euh, le villain va faire le KO d'un bystander qui est capturé par un autre villain ou un mastermind ou un, un bystander qui est dans le KO pile là, déjà. Le escape pile, c'est-à-dire. Euh, donc voilà, donc il va y avoir une mécanique autour de ces, euh, ces bystanders-là. Hunt. C'est euh, une mécanique qui va faire en sorte que certains héros dans le HQ qui vont être, euh, euh, qui vont être hantés par, euh, par des personnages, et puis donc on sera dans l'impossibilité de les recruter. Et puis il va falloir dépenser un nombre d'attaques égal au coût du héros pour pouvoir enlever euh, cette hantise-là. Les mots-clés Moonlight et Sunlight. Ça, ça va dépendre de la composition du HQ. Donc, s'il y a plus de cartes impaires dont le coût est impair dans le HQ, on considère qu'on est dans, la, dans une phase Moonlight. Et puis, s'il si, euh, y a plus de cartes avec des coûts pairs, on est dans une phase euh, Sunlight. Ça veut dire que s'il y a des héros qui ont des effets euh, alors que c'est Moonlight ou Sunlight, euh, donc la composition du HQ va faire déclencher ou pas ces effets-là. Euh, ici, on a petrol, c'est un ancien euh, mot-clé qui était une ancienne extension. En fait, ici, on explique que c'est dans le Secret Wars Volume 2 que c'est arrivé. Et puis, ce que ça fait, c'est qu'on va vérifier une des cases, par exemple, si c'est euh, euh, petrol euh, sewers. Donc, on va aller vérifier la case de Sewers. Et puis là, après ça, dans le texte du personnage, ça va être écrit qu'est-ce qu'on doit regarder. Par exemple, euh, si les Sewers sont vides, ça veut dire qu'il n'y a pas de vent, euh, pour votre vampire, s'il si n'y a pas de, de villain à cet endroit-là, euh, il peut avoir un effet déclenché, etc. Donc voilà, ça c'est questionné pour les règlements. Donc, il y a des nouveaux mots-clés très intéressants. Donc maintenant, on va regarder les héros. OK, on commence avec Morbius. C'est une carte de 5 plus 2 avec un Blood Frenzy sur, euh, sur le rouge. C'est une carte, il y en a 5. Hein, 5 exemplaires, c'est une commune. Même si ça coûte 5, c'est rare qu'on voit ça, mais les communes, normalement, ils valent 2, 3 ou 4. Les 5-6, c'est les uncommon. Mais là, ici, c'est une commune qui vaut 5. Mesmerize de Morbius aussi. Donc lui, il y a Moonlight. Donc, s'il y a plus de cartes paires que de cartes impaires dans le HQ, euh, on va avoir Blend Frenzy et on va gagner des étoiles au lieu des, euh, au lieu des attaques, euh, de recrutement au lieu des attaques ce tour-ci. Scald by Sunlight. Lui, en Sunlight et en Moonlight, il y a des effets différents. Donc, c'est une carte de 4 qui coûte 2 et plus. Euh, je peux gagner une blessure. Si je le fais, je gagne plus 2 d'attaque. Si c'est Sunlight. Puis en Moonlight, je peux faire le code d'une blessure de ma main, de ma discard si je le fais, j'ai plus 2. Donc c'est la Uncommon. Et la rare, It's Morbid Time. Donc il y a Blood Frenzy. Et je pioche autant de cartes au lieu de gagner euh, des points d'attaque. Donc il y a vraiment une mécanique autour de lui pour, euh, pour aller tuer des villains et essayer de. De euh, collectionner des euh, points de victory points différents. Elsa Bloodstone, version Marvel Knight. Donc, euh, cette carte-ci, elle coûte 3, 0, 0, Elle, on va aller vérifier dans les égouts, euh, pas dans les égouts, dans la, la Streets. Si c'est vide, elle va gagner plus de recrutement. Si ce n'est pas, elle va gagner plus de d'attaque. Et puis, on fait les deux si on a joué une journée avant. Silver Bullet. On va patrouiller la, la rue encore. Si c'est vide, j'ai plus un d'attaque. Et puis ça donne... ça serait une plus 3. Euh, sinon, euh, si j'ai joué une noire avant, je gagne plus 1 aussi. Donc, c'est potentiel de faire 4 pour 4. Et puis c'est une commune. Donc, ça, c'est bien intéressant. Et puis on remarque que l'uncommon, ici, euh, elle est aussi noire. Donc, euh, une, une belle synergie là, entre les, euh, ces cartes-là. Donc, la Uncommon, Stalk the Night Stalkers. Je peux faire en sorte que... En fait, ça, ça coûte 6, 3 d'attaque, et puis je peux faire en sorte qu'un mastermind ou un villain fait l'action Hunt for Victim, Ça veut dire faire le code d'un bystander qui est capturé par, un, capturé par un villain dans la ville ou dans l'escape pile. Et si je le fais, euh, je co- un héros de ma main ou de ma discard pile. Ensuite, si j'ai joué le noir avant, si le Bystander a été euh, mis dans le KO Pile de cette manière, je peux aussi recruter ce, ce Bystander-là au lieu de le mettre dans le KO Pile. Donc, ça, c'est la Uncommon. Vengeance of Bloodstone Gem. Zéro recrutement, 4 d'attaque. On va patrouiller n'importe quel espace de la ville. Et si cet espace-là est vide, je gagne. Euh, le nombre, euh, une quantité de points de recrutement et d'attaque du, en fait, de, de, du héros qui est en dessous de l'espace que j'ai patrouillé dans le HQ, euh, dans le HQ. Et puis si j'ai joué deux Marvel Knight avant, en plus j'ai Blood Frenzy pour augmenter euh, le niveau d'attaque encore. Alors Wallmaster Wang, Master of the Mystic Arts. Donc lui, il patrouille le, le pont. Et s'il est euh, vide, pioche une carte. Celle-ci, si c'est Sunlight, donc si c'est dans le jour, euh, je peux... Euh, je gagne plus 1 d'attaque. Et si j'ai joué une bleue avant, plus 1 d'attaque aussi. Celle-ci, donc Seal the Rift. Je patrouiller le, le pont. S'il est vide, je pioche deux cartes. S'il ne l'est pas, je gagne 5 d'attaque. Seulement utilisable pour battre un villain sur le bridge. Ça, c'est la uncommon. Et finalement, la rare Face Your Demons. C'est une carte de cote 8. 6 d'attaque. Une fois par tour, je peux, euh, je peux euh, me battre contre la, la carte du dessus du Bystander deck. Comme si c'était un Dark Hold Demon. Euh, qui a comme mot, euh, en fait comme texte, fight, je KO jusqu'à deux héros. Et puis je rescue le bystander de, que je viens de me, contre qui je viens de me battre. Et puis c'est Sunlight, j'ai plus 2 d'attaque. Ça sa potentiel est un 6. Un 8. 8. 6 plus 2. 8. On continue avec euh, Blade Daywalker. Lui, je peux bouger un Villain dans un autre espace de ville. Puis s'il y avait un autre euh, Villain là, je les euh, interchange. Ensuite, euh, si c'est Moonlight, je gagne plus 1. Donc pour un total de 4 potentiels. C'est une Uncommon aussi. Where Monsters Lurk. 4 d'achat, 2 de recrutement. Ici, si je patrouille les, euh, les toits. Euh, si c'est vide, je pioche une carte. Et si je patrouille les égouts, si c'est vide, j'ai plus un de recrutement. C'est la ah, common aussi. Hunt high and low. Celui-là, mon euh, blade il a l'air de patrouiller beaucoup. Donc c'est un 3 d'achat, 2 d'attaque. Et puis si je patrouille les, les toits, si c'est vide, je réveille la carte du dessus du deck. Et je peux, euh, je peux en faire le KO si je veux. Ensuite de mon deck. Ensuite, je peux, je peux patrouiller les égouts. S'il est vide, je révèle la carte du dessous de mon deck. Et puis, je peux faire le call aussi. Wow. 1, 2, 3, c'est la uncommon. Finalement, la rare de Blade, la creature of dawn and dusk. Donc lui, Sunlight. J'ai plus 2 et je peux mettre un héros du HQ au-dessous. En dessous du hero deck. Donc pour manipuler un peu. Sunlight Daylight. Et puis, euh, j'ai Blood Frenzy ici, c'est Moonlight. Donc, c'est une carte de 4. Euh, qui attaque de 4, mais potentiellement beaucoup plus. Finalement, le dernier héros de ce set-là, c'est Werewolf by Night. Donc, Werewolf by Night, lui, il, euh, quand c'est Sunlight, il y a plus 1 d'attaque. Et quand c'est Moonlight, on pioche une carte pour un minimum de 1. Et puis c'est une carte qui coûte 2. C'est la hand commune la moins chère euh, du 7, je crois. Ensuite, Snarling Fangs. Une carte qui coûte 3, 2 d'attaque. Sunlight. Euh, je peux mettre un héros du HQ en dessous du euh, deck de héros. Et puis c'est Moonlight. Quand je, défais, euh, quand je me bats et je gagne contre un villain ou un mastermind ce tour-ci, je peux euh, faire le KO d'un de mes héros c'est l'autre c'est l'autre common uncommon, release the beast 0 recrutement, 0 attaque mais si sunlight, j'ai plus 3 et puis j'ai moonlight euh, j'ai blood frenzy euh, donc c'est ça ça me donne autant d'attaques que de nombre de points différents que j'ai dans ma victoire et puis je fais les deux si j'ai joué une jaune avant et finalement, la toute dernière carte héros de ce set, Track the Captives, c'est une carte de 7, 5 et plus en Moonlight. Donc c'est normal, hein? c'est un loup-garou. Donc euh, en Moonlight, euh, quand je le nombre de fois que je, que je bats un villain ou un mastermind ce tour-ci, je peux recruter un bystander et gagner un héros du HQ ou du sidekick que le coup et coûte moins que l'ennemi, euh, que, que le nombre d'attaques d'ennemis euh, que je viens de battre. Wow. Et puis là, je donne plus 2 d'attaque à mon attaque si j'ai joué une jaune avant. Ça, c'est qu'est-ce qu'il y en a pour les héros? Maintenant, on va regarder les, euh, les mastermind et leurs villains. Ok, on va regarder le premier Mastermind et son groupe de villains. Donc, on a Zaratos ici. Euh, lui, il va l'aider les Fallen. Puis quand il Strike. S'il y a un héros qui, euh, qui est hanté. Sur lequel il y a une hantise, en fait, euh, en ce moment, dans le HQ, tout le monde gagne une blessure. Sinon, c'est Zaratos qui va aller hanter le héros qui a un plus gros coup. Euh, un héros qui n'a pas de hantise, euh, dont, euh, qui a le plus haut coup. Voilà. C'est ça qu'il va faire qu'il va aller hanter et il va revenir quand on va l'avoir euh, battu. Chaque fois, donc il faut potentiellement battre beaucoup de fois. Mais il y a juste 7. Mais euh, ça peut être compliqué là, si on a besoin de le faire plusieurs fois. Et, et puis en passant, il y a une version euh, difficile, épique, euh, mastermind. Donc dans l'équipe des Fallen, il y a Salomé Sorceress Supreme. Donc elle, elle a le Blood Frenzy, donc son, euh, son euh, sa valeur d'attaque peut potentiellement augmenter selon qui est en train de jouer. Euh, quand on se bat contre elle, en chaos jusqu'à deux cartes dans notre discard pile. Si elle se sauve. Elle devient un additional mastermind qui va gagner l'habilité Master Strike. Chaque joueur discarte un Marvel Knight Hero ou gagne une blessure. Donc Salomé, elle peut devenir un mastermind. Ensuite, on a Atrocity. Lui, en Ambush, il va euh, hanter le, le héros qui est, sur lequel il n'y a pas d'antise, le plus à gauche dans le HQ. Puis quand on va se battre contre lui, euh, on va sauver un bystander. C'est juste une attaque de 3. Donc, Atrocity, il y en a deux. Après ça, Metarcus, lui, il a Blood Frenzy. Et puis, en ambush, il va hanter le, le héros euh, le plus à droite, qui n'a pas déjà une antise. Puis, on co un non-héros. Patriarch, lui, en ambush, il va hanter un héros sur lequel il n'y a pas d'antise, qui coûte 3 ou moins. Et puis, quand on va se battre, on va révéler la top card de notre deck. Si ça coûte 3 ou moins, on va la piocher. C'est un, un monstre de 4. On voit ainsi Lilith, Mother of Demons. Donc, elle, elle a plus 1 pour chaque bystander dans le KO pie. Donc, là, on comprend ici l'idée du mot-clé Hunts for Victims. Elle va leader les Lilin. Et puis, quand elle strike, les Lilin, euh, Lilin Hunts for Victims. Donc, elle, 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 va, elle, elle va se débarrasser des, des bystanders. Si elle réussit à le faire, chaque joueur va gagner une blessure. Et puis, c'est une carte de 8 ou plus parce qu'elle a plus un pour chaque bystander qui a fait le KO. Donc voilà. Alors dans les villains. Les Lilin, donc lui, il y en a Blackout. Lui en Moonlight, il y a plus un pour chaque bystander dans le KO Waouh, Wow, eux sont vraiment violents quand, quand ils font des. quand ils chassent. Euh, ensuite, en Ambush, il va faire Hunt for Victim. Puis si c'est Moonlight, Hunt for Victim again. Parce que c'est la nuit. C'est un chasseur. Et puis si Escape, si c'est Moonlight, chaque joueur gagne une blessure. Ensuite, on a Outcast. Lui, il fait Ambush, euh, Hunt for Victims. Après ça, chaque joueur révèle une, ran une carte random de sa main. Et si cette carte-là coûte moins que le nombre de bystanders dans le KO Pile, euh, ce joueur-là défausse une carte. Donc, plus il y a de dans le KO Pile, euh, plus euh, est, lui est, euh, il est euh, actif. Euh, il a de l'effet. Sauf qu'il y en a seulement deux dans le deck et puis il faut qu'il sorte au bon moment. Il faut se débarrasser de lui, c'est quatre. Meat Market. Il est pas beau tout de suite. Ouh. Alors, Meat Market, il y a plus un pour chaque bystander dans le KO Pile. Un peu comme euh, la, la Mastermind. Et puis, euh, lui, quand il ambush, il euh, hunt for victims. Donc, il va y avoir des bystanders dans le KO Pile, c'est sûr. Et puis, quand on va se battre contre lui, on KO une carte de notre Discard Pile. Skinner. Lui, il a plus 2 s'il y a au moins 4 bystanders dans le KO pile, Et puis un Ambush, évidemment, il Hunt for Victims. Après ça, euh, on cueille un de nos héros si on se bat contre lui. Finalement, on a Sister Nil. Et puis en Moonlight, Sister Nil a le plus 2. Et puis en Ambush, elle va, elle va hunter aussi. Après ça, chaque joueur révèle plus de héros non gris que le nombre de bystanders dans le KO pile ou gagne une blessure. Alors ça, chaque joueur. De défausser un héros avec un coup impair. On termine avec les différents schemes. Donc, euh, comme d'habitude, il y en a quatre. On va commencer avec la première. Donc, c'est euh, Ritual Sacrifice to Summon Cotton ». Donc, il y a six twists, plus une bargeoire. On va ajouter Lilin, le, le villain Lilin, comme un extra-villain group. Ensuite, les twists de 1 à 4, euh, un vilain ou mastermind va faire Hunt for Victim. De 5 à 11, le Mastermind va faire Un for Victim. Et puis, il y a une, une règle spéciale. Que quand il y a 5 Master dans le KO Pile, on shuffle tous les twists qui sont dans le KO pile de retour dans le villain deck. Après ça, ce scheme-là se transforme en The Great Old One Coton. Et puis euh, on code tous les Mastermind, tous les autres Mastermind et leurs remaining tactics. Ça veut dire que quand ce, cette bibit-là va se réveiller. On va se battre contre cette bébête là au lieu. C'est elle qui devient le mastermind. Donc elle englobe, elle, comme elle gobe tout. Puis euh, elle devient notre nouvel objectif. Okay, Master Strike ou Twist. On détruit le current player. Après ça, on shuffle la strike ou la twist back dans le villain deck. Et puis Cotton va gagner si il y a un euh, si tous les joueurs ont été détruits. Wow. OK. Ça doit être très difficile en solo. En tout cas, ça va être intéressant de l'essayer. Ensuite, wager at blackjack for hero soul. Ça, ça prend 11 twists, on ajoute deux extra héros dans le deck. On révèle la carte du héros deck. Quand il y a une twist, on révèle la carte du héros deck. On additionne leur total jusqu'à ce qu'on euh, soit qu choisisse d'arrêter ou que le total excède 21. Si mon total excède 21, j'ai busté. Et puis le mastermind gagne cette, euh, cette mise-là. Si je bosse pas, mais là, ça, ça va être le tour du mastermind. Euh, il va arrêter dès que son total est au moins de 17. Si son total excède 21, mais lui a bossé, puis c'est moi qui gagne. Donc, euh, ça, ça sera une game de blackjack. Euh, si personne a busté, c'est moi qui gagne. Si mon total est plus haut que celui du mastermind. Et en cas d'égalité, c'est euh, le mastermind qui va gagner. Ben, c'est les, les villains qui vont gagner. Euh, ça, c'est à chaque fois qu'il y a une twist qui sort. On joue Blackjack à chaque fois qu'il y a une twist. Si je gagne, je peux gagner une. Euh, ou euh, un des héros révélés qui coûte 6 ou moins. Je le prends et je, je le gagne. Si le Mastermind gagne, je mets un des héros révélés à côté de, de ce, de ce scheme-là comme un, une, euh, une arme récoltée là, lors de la gageure. Et puis, euh, de toute façon. Je mets le reste des héros révélés en bas du hero deck dans un random, un, un autre random. Et puis Evil Wins quand il y a quatre euh, héros euh, récoltés de cette manière-là. Voilà. Alors, une petite game de poker. Ensuite, j'ai 11 twists et j'additionne 14 cartes de n'importe quelle Blade, parce qu'il existe deux blades, deux versions de Blade différentes, dans le Villain Deck. Ensuite, il y a une règle spéciale. Les cartes de Blade. Euh, qui sont dans le Villain Deck, ils sont des Demonically Possessed Switchblade Villains, qui ont une attaque égale à leur coût. Leur, euh, leur seule habilité, c'est Sunlight. To fight this, you must also spend 3. Fait que le, la habilité, c'est c'est ça. Si c'est Sunlight, je dois dépenser 3 pour pouvoir me battre contre lui. Si c'est Moonlight, il y a Blood Frenzy. Euh, Puis il y a Fight. Je co-o cette carte-là où je choisis un joueur pour gagner ou euh, le gagner comme un héros. Quand il y a une twist qui sort, pour chaque Switchblade Villain dans la ville ou, et, ou dans l'Escape Pile, là, euh, je call le top 3 cartes du Hero Deck, peu importe combien il y en avait. Fait que si... Y a, euh, euh, ouais, c'est ça, pour chaque Switchblade que j'ai. Que euh, après ça, je joue une... Euh, euh, ouais, peu importe combien j'en ai joué, je joue une carte du Villain Deck après, c'est ça que je voulais dire. Ensuite, Evil Wins quand le Hero Deck ou le Villain Deck, il, euh, il devient vide. Et finalement, on a Sire Vampires at the Blood Bank. Ça prend 10 Twists, on ajoute un extra Enchmen Group de 10 cartes dans le vin, comme des Vampire Neonates. Je mets la, la scheme au-dessus de la banque pour marquer que c'est la Blood Bank. Et puis là, bon, qu'est-ce qui va se passer C'est que... Comme une règle spéciale, tous les Vampires Néonates qui euh, ont aussi Blood Frenzy euh, quand ils sont à la Blood Bank. Euh, en fait, non, c'est pas ça. C'est que chaque, chaque Vampire Néonate ont aussi Blood Frenzy. Quand ils sont à la Blood Bank, ils ont double Blood Frenzy à la place. Ensuite, quand on joue une Twist, s'il y a un Villain à la Blood Bank, on prend la carte du Bystander Deck... Je mets une carte du Bystander Deck à côté du Scheme comme un Vampire Thrall. Euh, sinon, je bouge un Villain d'un autre espace de la ville sur euh, la Blood Bank. De, dans tous les cas, je joue une autre carte du Villain Deck. Et puis le Evil va gagner quand il va y avoir 5 Vampire Thrall ou que le Villain Deck n'a euh, plus de carte. Donc voilà, ce sont les 4 Schemes. Donc, c'est ce qui met fin à ce déballage de Midnight Sun. Donc, c'est une extension qui vraiment change de thématique là, euh, un peu pour avoir quelque chose un peu plus euh, vampirique. Donc, c'est quand même assez intéressant. J'ai bien hâte d'essayer de jouer et puis euh, on se revoit la prochaine fois.